Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, en tous les cas moi ça va super bien. On se retrouve pour l'ouverture de ce magnifique coffret Marchado collection. Donc c'est avec figurines, c'est un super coffret, je crois que c'est une exclusivité Jouet Club sorti en 2017. Voilà un coffret qui fait vraiment plaisir. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret? On peut voir ça en son dos, une carte donc promo brillante inédite de Marchado, donc elle est inédite, ça c'est vraiment cool. Donc une carte holographique qu'on retrouvera pas dans les autres éditions, une petite figurine donc sculptée de Marchado, 4 boosters et une carte code tout simplement. Alors je trouve que la disposition est vraiment très sympathique. On a le petit Marchado ici, la très belle figurine que l'on va voir ensemble, et la carte promo qui est une carte holographique très très sympa, et les 4 boosters. On peut voir ici qu'on a encore du XY évolution qu'on retrouve un petit peu de partout, et encore maintenant là encore c'était un coffret un petit peu ancien, mais sinon on le retrouve un petit peu de partout. Alors on se retrouve tout de suite après l'ouverture du blister. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret? La carte promo Marchado, très sympathique, carte holographique. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez apprécier cette carte. Donc c'est la SM85, donc c'est une carte exclusive. La petite figurine qui malheureusement ne tient pas toute seule, ça c'est vraiment dommage parce que je la trouve vraiment très très sympa. Regardez-moi ça, elle est très jolie, assez bien finie. De Marchado, voilà, très sympa. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, eh ben, elle tient pas toute seule. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, je vais la caler là. Et enfin, 4 boosters. Donc, on a du Invasion Carmin, du Tempête Céleste et le fameux, le très recherché, le très convoité. XY évolution, vraiment ça c'est le booster recherché. En tous les cas, je me lasse pas de cette illustration de Tempête Céleste. Regardez-moi ça, Rayquaza, il est juste splendide. Je vais le garder d'ailleurs en dernier tellement il est beau, et je vais ouvrir en premier le fameux booster super convoité, l'évolution XY évolution. Allez, c'est parti, place à l'ouverture. Alors l'objectif étant, ça va être chaud. Ça va être chaud puisqu'en ce moment j'ai eu pas mal de bons tirages. Donc les probabilités sont contre moi, hein, tout simplement. Donc 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, je crois que c'est 1, 2, 3, 1, 2, je me souviens plus. Hein, ça y est, je me mélange, c'est reparti. Alors on a Electek, Goopix, Ratata, une carte énergie, Petitard, Nidorino, carte dresseur, c'est spread d'évoluant. On a un petit Porygon, une rare reverse, bah pourquoi pas, hein, elle est plutôt sympathique, Electrode, et enfin on aura Roux Carnage en ex. Ben voilà, tranquille, encore un bon petit coffret, ça fait plaisir. Décidément en ce moment c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Allez, on va le mettre directement sous la petite pochette de protection, le petit Roux Carnage ex, il est très sympa. Allez, deuxième booster pour l'ouverture de ce petit coffret. Allez, alors cette fois-ci, on est sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, il me semble. Alors, Carabing, Spwink, Sapero, Eoko, pourquoi pas, Chamallow, une énergie, on a Rome Psy, Lima Speed, bien chelou celui-là quand même. Ici, on a un petit cocon fort. On a Sapero en commune reverse. Et enfin, qu'est-ce que ça sera? Oh, bah il fait plaisir. Waouh, waouh, waouh. Il est très joli. Le petit Raichu d'Alola en holographique. Donc ça, c'est vraiment cool. Il est très, très, très beau. Et bah, décidément, un super coffret. Et il reste encore 2 boosters. Hein. Donc là, c'est encore possible d'avoir, pourquoi pas, encore de belles surprises. Pour l'ouverture de ces 2 derniers boosters. Donc on est cette fois-ci sur du Tempête Céleste. Ça fait vraiment plaisir cette petite ouverture. Puis je trouve que le coffret était sympathique à vous montrer, à vous faire découvrir, puisque des figurines on n'en a pas souvent, hein, même si en ce moment il y en a eu, hein,
On en a quand même pas trop souvent des petites figurines dans ces coffrets là, donc il semble que c'est comme ça. On a un petit chuchemur, hein, un petit chuchemur tranquillou. Ici on a Cacnea Love Disc version laine. J'aime pas du tout les Pokémon version laine. Arco, je crois qu'il y en a beaucoup comme ça, comme moi qui n'aime pas du tout les Pokémon laine. Mimigal, la petite araignée qui fait la tête. Ici on a une énergie, Atalante, Ultra Ball, Échange, Copain Ball en Pokémon Reverse. Et enfin on aura Wailord en rare qui est une simple rare. Et le dernier booster, regardez-moi ça, très très beau booster. Ça c'est vraiment un booster à collectionner. Le Rayquaza, très 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 beau, fait partie de mes personnages Pokémon préférés. Allez, dernier tirage pour ce coffret, un petit poussifeu Dynavolt Onyx dans son terrier, Farfuret, Drabi, une énergie obscure, Échange, Ramboum, très sympa, très énervé. Mascadra, yes, j'avais oublié qu'on pouvait avoir des cartes prisme, Latios prisme, bah décidément cette ouverture est super cool. Et enfin on termine par Electsprint, eh ben vraiment je suis super content, j'avais oublié les prismes, elles font super plaisir, elles sont très 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 belles. Alors petit bilan de cette ouverture, bah, très sympa, je vous rappelle la petite figurine de Marchado ici, très sympa dans ce coffret, malheureusement elle tient pas toute seule. La carte promo holographique de Marchado qui est la SM85, très jolie carte promo qui est exclusif, hein. C'est une carte qu'en illustration qu'il n'y aura pas dans les séries. Et alors Latios en prisme, très 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 belle. Copain Ball, Sapero et la rare Reverse Electrode. Et en rare, on aura eu. J'aurais eu donc Electsprint, très sympa. Wailord, Raichu d'Alola, waouh, super sympa, Hero Carnage X, encore une belle petite ouverture que je partage avec vous. En tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!